Il va voir ce loup au jardin des plantes. Tous les jours, il est là, tout seul. Tous les jours, il le regarde. Et qu'est-ce qu'il peut bien lui vouloir? M'agace, celui-là. Cela fait bien 2 heures que ce garçon est là, immobile comme un arbre gelé, à regarder le loup marcher. Dans jamais. Toujours là avant les autres. N'a jamais vu de loup ou quoi? Il se lassera avant moi. Je suis plus patient que lui. Je suis le loup. Et le lendemain matin, la première chose que voit le loup, c'est ce garçon. D'accord. Tu l'auras voulu. Ça fait trop longtemps que ça dure. Tu veux me regarder? D'accord. Moi aussi, je vais te regarder. C'est qu'il n'a qu'un œil, le loup. Il a perdu l'autre dans sa bataille contre les hommes, le jour de sa capture. Alors le garçon fait une chose bizarre. Il ferme un œil, comme le loup. Tu vois, maintenant, je suis comme toi. L'œil du loup, un œil qui ne cligne jamais et qui l'attire irrésistiblement. Tu as voulu me regarder. Eh bien, regarde. C'est moi, loup bleu, et flamme noire, notre mère. Et notre sœur, paillette. Sa fourrure est comme un éclair d'or. Les yeux éblouis se plissent quand on la regarde. Les enfants, aujourd'hui, je vais vous parler de l'homme. Tu n'arrêtes pas de nous raconter des histoires d'hommes. Parle-nous plutôt des caribous, des lapins des neiges ou de la chasse aux canards. Non, je veux une histoire d'homme. Une histoire qui fait peur. Une histoire d'homme, j'adore. Qu'ils s'amusent. Ils connaîtront bien assez tôt la vraie vie des loups. Ah, loup bleu. Tout le portrait de son père. Trop sérieux, trop loup déjà. Écoutez, écoutez! C'est Cousin Gris? Qu'est-ce qu'il dit? L'homme, il faut partir! C'était une bande de chasseurs qui nous cherchaient. Oui, c'était ça. C'était toujours la même bande qui traquait notre famille. Et nous devions fuir de plus en plus loin. Mais ils nous retrouvaient, toujours. Alors c'était ça ton enfance, loup bleu? Fuir devant les chasseurs? Oui, c'était ça. Et toi? Qui es-tu, toi? Et d'abord, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Afrique. Afrique Nubia. Vois, loup bleu, c'est ici l'endroit de mon premier souvenir. Une nuit terrible. Je t'en prie, écoute. Ah, si tu crois que c'est le moment. Il n'a plus de mère. Prends cet enfant. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un enfant? Emmène-le. Emmène-le loin d'ici. Il serait juste bon à boire toute mon eau. Sois généreux.
Je t'en prie, Toa, sauve l'enfant. Plus grand, il racontera des histoires qui font rêver. Ah, pas besoin de rêve, moi. J'ai déjà cet imbécile de dromadaire et qui rêve du matin jusqu'au soir. Allez, lève-toi, allez. Toa, je te donnerai de l'argent. Et combien d'argent? Tout ce que j'ai. Toa, absolument tout. Bon, allez, viens. Merci, Toa, tu es bon. Adieu, petit, adieu. Le jour se lève sur un tout autre paysage. Loup Bleu n'en croit pas son œil. De la neige. Non, Loup Bleu, c'est du sable, c'est le désert, l'Afrique jaune. Ah, maudit désert, sable maudit. Ça ne finira donc jamais. Plusieurs fois, Toa, le marchand, a essayé d'abandonner le garçon. Quand il est particulièrement en rogne, les affaires ont été mauvaises, le point d'eau est asséché, la nuit trop froide. Allez, allez. Où êtes-vous? Casserole! Toa! Alors, le dromadaire reste couché sur ses genoux. Je ne pars pas sans le garçon. Ah, vous voilà. C'est ainsi qu'il a commencé sa vie. Toa, le marchand, n'avait pu trouver un garçon capable ni de mieux comprendre les chameaux, ni surtout de raconter les plus jolies histoires. Alors, le garçon racontait les histoires qui naissent dans sa tête. Ou bien, il leur disait les rêves du dromadaire, qui rêvait toutes les nuits, et même parfois en avançant sous le soleil. Et quand les caravanes repartaient sous le ciel brûlant, ceux qui avaient entendu les histoires du garçon voyaient une autre Afrique, du haut de leur chameau. C'est vrai qu'il raconte bien. Ah oui, il raconte bien. Comment l'appelles-tu, ce garçon? Ah, pas eu le temps de lui donner un nom. Toa, ce garçon, nous l'appellerons Afrique. Il fait même payer les histoires de l'enfant. Vraiment, ce garçon, tu ne le mérites pas. Toa, le marchand, tu te vendrais toi-même, si quelqu'un voulait de toi. Oui, je suis le marchand. Je fais mon métier de marchand. C'est vrai que Toa était capable de tout vendre. D'ailleurs, un beau matin, il vendit tout. Attends-moi là. Et garde la tente. Quand Toa revient, il est seul. Comment? Tu as vendu casserole? D'ailleurs, je t'ai vendu, toi aussi. Et te voilà berger, maintenant. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Toa nous avait vendu. Toa était vraiment capable de tout vendre. À toi, Loup Bleu. C'est ton tour de raconter. On s'installait dans une vallée paisible bordée de collines que Cousin Gris pensait infranchissable. Et il fallait s'enfuir à nouveau. Les hommes ne se décourageaient jamais. À quoi ressemblent les hommes? Les hommes, deux pattes et un fusil. Mais pourquoi est-ce toujours la même bande qui nous poursuit? Ils ont entendu parler d'une petite louve à la fourrure d'or. Comment? C'est moi qu'on cherche? Adorable, ma fille est adorable. Mais complètement tête en l'air. Cela se passa une nuit
alors que les chasseurs n'étaient pas loin. Il faut que j'y aille. Je verrai bien à quoi elles ressemblent, les hommes. C'est moi qu'on cherche, après tout. Je veux savoir. Loup Bleu a comme un pressentiment. Trop tard. Hé ! Fin, Paillette ! Va-t'en, vite ! Je te confie la famille ! Loup Bleu ! File, vite ! Le Brandon s'abat sur son œil et il sombre dans le noir. Et alors, Loup Bleu ? La suite de ton histoire ? Non, aujourd'hui c'est à toi. Raconte. Toi m'avais vendu roi des chèvres. Pas méchant homme, le roi des chèvres. Seulement, il aimait son troupeau plus que tout au monde. S'il arrive la moindre chose à mes chèvres, je te renvoie. Tu as bien compris, Afrique ? Et tu sais, gamin, les lions et les guépards ont toujours faim. Roi, si tu ne veux pas que les lions attaquent ton troupeau, il faut leur donner à manger. Nourrir les lions ? D'accord, fiston. Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée, après tout. Demain, tu iras en ville acheter de la viande. J'espérais aussi retrouver mon ami le dromadaire. Casserole n'a pas pu quitter la ville. Il n'aurait pas fait un seul pas sans moi. Il me l'avait promis. Vous n'auriez pas vu un dromadaire qui rêve ? Tous les dromadaires rêvent. Voilà ta part, lion. Alors ne touche pas à mes cabris. Tu es un drôle de type, berger. Vraiment un drôle de type. Ne fais pas le serpent, guépard. Je t'ai entendu. Et comment tu as fait, berger ? Personne ne m'entend jamais. Je viens de l'Afrique jaune. Là-bas, il n'y a que le silence. Ça rend l'oreille fine. Chasseurs étrangers, je les ai vus hier. Ils sont de retour. Alors, guépard, si tu faisais le berger avec moi, qu'est-ce que j'y gagnerais ? Tu as besoin d'un ami, guépard, et moi aussi. Et c'est ainsi qu'Afrique et le guépard étaient devenus inséparables. N'aie crainte, moi vivant, personne ne mangera une seule de tes chèvres. C'est un rêve de mon ami le dromadaire, qui a mystérieusement disparu. Pourtant, il avait promis qu'il ne partirait pas sans moi. Je l'appelais Casserole, et lui m'appelait Puceron. « J'ai fait un rêve intéressant, » me disait-il en s'éveillant. « Cette nuit-là, la lune et le soleil, tombés du ciel, se baignaient dans l'eau de cette oasis. » Que pour toi cherchais depuis des jours. Et des histoires de l'Afrique jaune. Et même de la nôtre, l'Afrique grise. Comme un fou. Dis donc, berger, tu sais qu'il existe une Afrique verte, avec des arbres partout, hauts et touffus, comme des nuages. J'ai un cousin là-bas. J'y vais souvent. Écoute, ami guépard, il se passe quelque chose. Les chèvres. J'y vais, berger.
Rejoins-moi là-bas. Mes plus belles chevrettes, les plus gracieuses, les perles de mes yeux, les plus rares, disparues. Voilà ce que c'est de fréquenter les guépards. Il me les aura mangés. Mes grands rois, les guépards n'y sont pour rien, ce sont des hommes. Maudit berger, je te chasse. Va-t'en. Disparais avant que je t'étrangle. Alors, le garçon décida de partir pour l'Afrique verte. J'ai un cousin là-bas, j'y vais souvent. Il y monta d'autres passagers. Le chauffeur les faisait payer cher. Très cher. J'ai un garçon qui raconte, disait-il. Afrique racontait, nuit et jour. La nuit, il voyait les yeux qu'il écoutait. Il leur racontait les rêves du dromadaire casserole, mystérieusement disparu. Le soleil se levait et se couchait. Long voyage, très long, très chaud, interminable. Et la voilà, l'Afrique verte. C'est l'Afrique, l'Afrique verte. Maman Bia, il se réveille. Bien sûr qu'il se réveille, puisque c'est moi qui l'ai soigné. Mais tout de même, celui-ci, j'ai bien cru qu'il allait mourir. Mourir? Salut, toi! Salut, qui es-tu? Moi, perroquet, et toi? J'étais berger, j'ai aussi été marchand, enfin presque. Je peux sortir? Sortir? Maman Bia! Ça y est, regarde! Regarde, il est complètement guéri! Pas la peine de faire tout ce chahut, pas bien. Tu sais bien que je les guéris tous. Guéris tous? Chaque samedi, tous les trois se rendaient au marché, vendre leurs fruits, leurs légumes et les remèdes de Mabia. Sur la place, il y a beaucoup de monde autour du petit étalage, car Mabia, qui guérit presque tout pour presque rien, est très connue. Et de partout, les villageois viennent écouter les histoires du garçon. Il raconte bien, non? N'est-ce pas qu'il raconte bien? Et la tienne d'histoire, hein? Celle de ta vie. Si tu nous la racontais. J'étais un bébé. Les soldats ont attaqué notre village et tué mes parents. Ce garçon, nous l'appellerons Afrique. Alors tu n'as pas de père et pas de mère. Bienvenue dans la famille Nbia. Afrique Nbia, mon fils. Et tu sais, c'est une grande famille. Tu es notre 15e enfant. Mais ils ont tous quitté la forêt pour aller travailler dans les trois Afriques. Et même dans l'autre monde. Mes enfants, ces arbres, où vont-ils? Et où veux-tu qu'ils aillent? Dans l'autre monde, pardi. Il n'y a pas si longtemps, la forêt s'étendait jusqu'à l'horizon. Aujourd'hui, on a coupé tous les arbres. Et quand il n'y a plus d'arbres,
Il n'y a plus d'eau. Il ne pleut plus. C'est la sécheresse. Pour nous ici, c'est fini. Il faut partir. Et voilà mon histoire. Mais toi, l'eau bleue, après le trou noir. Un jour est arrivée une louve dans l'enclos voisin. D'où viens-tu ? Du Grand Nord. Je viens des Barrenlands. Les Barrenlands ? Dis-moi, est-ce que tu connais ? Je connais tout le monde là-bas. Une petite louve à la fourrure d'or. Tu connais ? Payette ? La fille de Flamme Noire ? Bien sûr que je la connais. Mais ce n'est plus une petite louve. Elle est plus grande que les plus grands loups. Et ensuite, elle n'a pas de fourrure d'or. Elle s'est éteinte. Éteinte ? Sa fourrure s'est éteinte ? Parfaitement. Une nuit, elle est partie avec un de ses frères et le matin, elle est revenue seule. Sa fourrure s'était éteinte. On dit qu'elle porte le deuil. On dit ça ? On dit des tas de choses sur elle. On dit que les loups n'ont jamais eu de meilleurs chasseurs. On dit aussi que les siens ne se feront jamais attraper par les hommes. Voilà, tu sais tout de moi. À toi maintenant. C'est ainsi que Pabia, Mabia et leur fils Afrique arrivèrent ici chez nous, dans la ville. Tiens, tiens, tiens. Voilà ce qu'il me faut. Employé au zoo. C'est quoi un zoo ? Un jardin d'animaux. La première fois où je suis venu ici, je me demandais comment on pouvait planter des animaux dans un jardin. Et je t'ai vu, loup bleu, si seul, si triste, que je n'ai pas pu faire un pas de plus. Comme moi, puceron, comme moi. Casserole ? Casserole ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Comme tu vois, je t'attendais. Je n'ai pas fait un pas de plus depuis que toi m'as vendu. Pas un pas ? Je te l'avais promis. Loup bleu, c'est Casserole. J'ai retrouvé Casserole. Je me demande ce que Flamme Noire en aurait pensé. Ce monde vaut-il la peine d'être regardé avec les deux yeux ? Évidemment, c'est tentant avec les deux yeux. La vérité, c'est que derrière sa paupière close, l'œil du loup était guéri depuis longtemps. Mais ce zoo, ces animaux si tristes, un seul œil suffisait largement pour voir tout ça. Mais il y avait eu Afrique, la lumière, l'amitié et la vie. As a war, as a war, and no one.